Je sais pas si les Égyptiens, je sais pas s'ils sont pas un peu mieux les Égyptiens. Je sais plus. Les Égyptiens, on va dire, ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Les Égyptiens, ouais. Après, les Égyptiens, c'est un peu plus technique avec les monuments, les machins. Puis après, faut dire aussi que t'as peu de cartes avec certaines tifs, donc. Tu prends un peu des fois au pif, quoi. Mais faut dire que c'est bon. On va peut-être se mettre en moyen le temps que vous compreniez un peu les cives. Non. Parce que l'IA est améliorée hein, avec le dernier patch. Hein. Rien. Bon, on va mettre en On roule difficile, mais vous dessus. allez vous faire exploser, quoi. Père. Père, moyen. Bon, allez, go. Oui. C'est de ma faute, hein, c'est mon père. Totalement. Non, c'est faux, c'est le démoïque. Oui, aussi. J'accepte mon... Alex, Ah oui, ouais, j'ai t'es vu mieux de ça. change. Si on peut. Non. Ouais, c'est bon. Je suis pas fou. Attends, moi, non, je vais prendre jaune, tiens. Voilà. Jaune. Ouais. Quoi? Quoi? De quoi? Jaune. Eh oui. Alexandre de la France. C'est Bleu, toi qui prends la team jaune rose, dans Pokémon rouge. Go! Je prends jaune. C'est toi Jack, qui es t'es pas pro accordé jaune. avec ton image de profil, salaud. Et oh, casse pas tout! Salaud, laisse-moi tout casser. Bon, par contre, C'était on une va se. bouteille. Bon, par contre, on va se faire lever. Hein. En plus, vous connaissez pas vos cives. Moi non Vas-y, plus, je la lève-moi. connais pas trop, donc. Vas-y, salope. On va se faire levette. Toute façon, comme on dit, l'important, c'est de participer. Lève-moi Alexandre. Oui. Carry-moi, s'il te plaît. La gold, c'est ça? Ouais, gold. En fait, la bouffe sert à quoi en pirate? À passer les âges et à construire des troupes. C'est tout en plus. C'est. D'accord. Elle est Voilà. pas ouf, ouais. Ah, y'a un mot pirate! I am a pirate. Et Du coup, t'as devinez de la qui est bouffe au début? Pocket? Comme le Ah, bourreau salaud qu'il est. ah non, c'est même pas parade. Salaud! Mais j'ai un macaque avec moi? Oui, c'est le passif des pirates. Tu as un explorateur en plus et un macaque. Il est fort? Non, pas ouf. Bon, c'est un second explorateur, quoi, donc bof. Le chat, les mecs? Non, ça va. Trop tard. Je vois. Rien Pas une à pas question. droite. On va se faire lever. Mais non, franchement, t'abuses avec les pirates. C'est du tam-tam avec les pirates? D'une tribu? Black Market. Non, c'est ton marché, c'est le black market. Bon, non, ça c'est la maison. C'est quoi ça, le spoil, le camp? What? Je vais me découvrir des trucs. Là, je pense à ces pockets. Black Market, déjà. Très important aussi. Pirate. Et Bien. Donc, ça, c'est mon marché. Ok. Ah oui, c'est ça, c'est le tam-tam! Et du coup, j'ai quoi en tam-tam? En anglais, je comprends rien. Ah non, c'est bon, c'est quand. Des unités inactives par seconde. Ça, c'est quoi? C'est l'XP. Par seconde. Ah, c'est l'XP à la seconde! Oh.
J'avais pas dit qu'il y avait une communauté Tam-Tam dans les pirates. J'ai très peu joué à pirate, à vrai dire, donc. Ça doit expliquer des choses. Et ça spawn un docteur, ok. Il faut quand même couper du bois un jour, hein. Oui, surtout qu'ils vont bientôt passer à H2, donc il va falloir. Putain, j'en suis loin, moi. Hein. Je te dis, on aurait Ah, peut-être dû se mettre en moyen, mais bon. ah oui, juste en bas, juste en bas. Juste Quoi en en bas, bas. y'a quoi en bas? Oui, là. Faites-lui la gueule! J'ai un Nique-le. macaque! Vas-y, ma bouche! Ah là là, Emery avec son petit grenier là. Allez, ma bouche, pète-lui la cul! Merde, je suis Nique la gueule. désolé. Désolé, j'ai pas de bois. Mais c'est de la gueule par contre. Les gars, je me fais attaquer, au secours. Créer des Merci, troupes. moyen. Nico. Comment ça, créer des trous? J'ai pas de caserne. C'est quoi ma caserne? C'est. Je sais même plus c'est quoi, je sais plus comment ça s'appelle chez les pirates la caserne. Bah, j'ai une garnison, mais il faut être d'H2, quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est ça, c'est ça, c'est la garnison, ouais. Bah, il faut que je sois H2, frère. D'accord, bon bah je crève les gars. Allez, ciao, bye bye. Panthère a été déconnecté. Et là tu vois des T'abuses aussi. canons, là tu vois des forts qui se posent. T'abuses aussi. Attends, faut que je sois H2 pour que je sois efficace. Et là, chez Ebrick, tu as Éric Zemmour qui sort, qui sort du centre-ville, qui fait le grand remplacement, on va se faire grand remplacer. Bah là, il aurait pas tort. C'est vrai. C'est vrai que là, pour l'instant, même moi, je m'inquiète là. Je vois que ma rentrée de bois est pas ouf. Bah moi, je Mais ma vois rentrée de que... gold, elle est nickel, hein. Bah moi, je vois surtout bah, qu'ils ont 5000 de score, quoi. Et moi, bon, bah, par contre. Moi, je m'en bats les couilles. Je m'en bats Ouais, les couilles, voilà. frère. Je vais prendre l'alliance française. Cocorico. Problème de maison, je crois. J'arrive pas à faire ma maison en fait, j'ai pas assez de bois. Ah. Je vais arrêter de push de l'or en vrai parce que il faut vraiment du bois. Il passe touche à H2. Et là, pouf pouf. Non, en plus. De quoi? Il manque comme il respire celui-là. Eh oui, je suis allemand. T'as quoi contre les Allemands? Tout. Tu serais pas un petit peu germanophobe? Ça Pas du tout. me dégoûte. Par contre, Comment ça? Emric, on en parle de ton score là? D'où t'as déjà quasiment 5000 de score? J'en ai aucune idée, frère. Par quelle Alors là, sorcellerie? par contre, sans déconner, tu me dis des trucs, mais. Par quelle Pas chez moi pour moi. sorcellerie? Bon, par contre, il y a déjà Nia, il a quasiment 7000. Hein, donc, voilà. Ah, c'est le passage 2. Hey, je construis enfin une maison, c'est bon. Au bout de 6 minutes. Hey, on n'a pas les mêmes problèmes, ok? Au bout de 6 minutes. Mon Dieu, j'ai des villageois! C'est bien. J'ai 1000 de gold, est-ce que t'en as toi? Non. Non. Mais par contre, je passe H2. Et ça, c'est pas beau. Là, par Oh, c'est pas contre, beau. Emric, arrête d'être un bot. Je sais pas. Arrête d'être un bot! Je sais pas quoi Il y a Zap de Troll qui est te monté le dire, machin. mec. Je sais pas ce qui se passe. C'est Pocket, hein, Imbrick, non? Oui, je sais. Je comprends pas. Putain, Je comprends pas, le il va mec, c'est retourner la un game pour lui, bot. hein. Le mec, c'est un bot. Avoue, t'as full tryhard le jeu. Je comprends même pas comment ça joue, aussi. Avoue, Non plus, tu as mais moi toujours je fais pas de de la merde, moi. caserne. Moi je fous de la merde. Mais oui, regarde, il a que 3000 de score. Lui, au moins, il est RP. 3006, respect, respect, je viens de faire des villageois. Alors que Brick, là, il a 6000. Comment il fait? Je viens de sortir deux villageois là, respect. Non, mais Emric, par contre, ça me fait peur, frère. Je Il comprends construit pas. déjà une caserne! Non, Emric, arrête ta tryhard lascive. À vous. Tu comprends pas, ils sont... je sais pas comment ça marche. Arrête. Ouais, ça sert bientôt. Me dis pas ça, Emric. Il me faut les indigènes. C'est le seul Arrête. moyen que je puisse me défendre. Arrête, La Emric. Watchtower, c'est quoi? C'est une tour? Ouais.
Ça fait ça attaque ou pas du tout? Ouais, bah c'est bah, un avant-poste en gros. Hein. Les gars, je suis attaqué! No joke en plus! Regardez! Oh mon dieu, Emric! Emric! J'essaye, je te jure, j'essaye. Il y a déjà des Portugais chez nous! Laisse-moi tranquille, là, je construis. Nique ta mère. Au Putain, fais secours! chier, il faut que je sois H2 aussi avec les indigènes. Bon, bah, désolé, j'ai pas de troupes. Bon, ne t'en fais pas, j'ai des félins. Ne Ça t'en prend fais pas. méga de temps en fait ce truc à... Ah mais je te dis, les Marocains H2, ça pue, hein. Oui? Ça, je t'ai pas dit de la merde, hein. Marocains H2, ça pue. C'est bon, je réussis à me défendre, j'ai fait une Ah tour. non, t'as encore des mecs chez toi? Non, ça Enfin, va. qui... Ça va, tu vois, je commence même à avoir de l'armée. Ah mon Dieu! Au secours! Secours, Au secours, ça pue! Ah si j'ai... Ah non merde, 400 de bouffe quand même. Quand même pas donné. Bah en tout cas, les gars, j'étais heureux de vous connaître. Moi aussi. Et t'inquiète pas, j'ai des villageois, je construis plein de choses. Ça pousse, ça pousse. Mais il pue! Les gars, les gars, Arrête, Arrête! j'ai bientôt assez pour passer H2. Moi Ouais, mais je c'est passe pas qu'en... H2, moi. Ouais, mais c'est qu'en fait, je vais me faire raser, moi, en fait. Ah merde, c'est avec mon capitaine que je passe H2, tu me dis pas Mais... ça que maintenant. Oui. Emric, si t'as des troupes, je suis preneur, hein. J'essaye. Je suis un petit peu l'Ukraine, là, actuellement. Il faut que Moi, je pour t'explique un l'instant, truc. Tu pockets, mais... je sais même pas à quelle vitesse ça va. Hein? Ça va à une vitesse horrible, mec. Je suis un petit peu l'Ukraine actuellement. Sur les tours, moi, c'est que comme ça j'arrive à me. Alors, je prends quoi, H2? Alors là, tu prends de l'armée en vrai. Tu prends ceux qui te donnent de l'armée en prod là, parce qu'on en a besoin. Allez, on va prendre ça, on va dire que c'est de l'armée. Ouais. Sur ce wall-là. Sur soi là, frère. Un passage 2. Vous inquiétez pas pour moi. Prends ça, prends ça. Mon macaque me défend, Attends. vous inquiétez pas pour moi. Ouais. Prends ce qu'il y a. Ah ouais, thanks. Prends ce que je t'ai dit. J'envoie un villageois. Trigger. Qui m'a trigger? Dire trash talk, pourquoi j'ai. Mais je m'en bats les couilles, arrêtez de bosser, putain, bande de sans abo. Qu'est-ce que t'allais dire T'avais un là? truc bizarre, toi. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire? T'allais dire un truc de ban là? Non, pas du tout. Pas du tout de nos lives. C'est quoi bizarre de la G13? T'inquiète pas, ce passage 2, Alexandre. Ah ouais, non frère, Je combat. arrêtez! Alexandre, je passage 2. Prends ton pantacon, s'il te plaît. Ah mais on se bat contre les cow-boys! Ah fais chier! Eh oui. Commence à comprendre tout mon potentiel. Il n'y en a pas. Ça pue. Je cherche encore mon potentiel, Alexandre. Mon Ok. potentiel, il est où? Où est-il? Quel potentiel, on s'est foutu de ta gueule depuis le début. Je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Les 9 villageois directs, hein, c'est l'heure de mon boom.
C'est l'heure de faire de l'écho. Alexandre? Oui. Si, c'est l'heure de faire de l'écho. Ça arrive. Ah, d'accord. Ça arrive beaucoup. Bonne question, ah, ça arrive. Non, non, il y en a plus que ça. D'accord. Oh mon dieu! Distributeur, aucun record, nanana. Ça, c'est quoi? Ça soigne. Ça fait spawn des docteurs. En vrai, si mon château, ah, si mon château arrive à se poser, on est bien. Si. Si. Comment ça, il parle de château, le... il était H2, mec. Ouais, mais je suis... Non, on a des petits châteaux, on est des tam-tam. Alors, ça se pose, Alexandre? Ouais, mon château caribien, mais bon... Ouais, voilà, quoi. Ouais. Oh, il se replie! Ouais, ça... Augmente le taux d'accumulation de 100%. C'est quoi, c'est ma prod? Alors là... Je dis quoi là en prod? J'ai 400, 300, 200. Si j'enlève, attends, ça monte. Ça baisse. C'est ma prod! J'augmente de 100% ma prod! Bienvenue chez les pirates. C'est du vol. C'est génial! OP! Merde, j'ai plus d'or. J'ai du bois par contre. Ça c'est quoi ça? Ça donne de l'or, je crois, que cette merde. Ça ressemble à un bateau pirate. Bref, faut que je fasse des troupes moi un jour. Je vais me faire engueuler par Maître Alexandre. Bah disons que ce serait bien. Ouais. Regarde, il commence déjà. Putain, le problème c'est que mes mousquetaires... Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est de l'or infini ça. Ah bah c'est bon, il est fixe. Là du coup, j'augmente de combien? 125% ma prod. Putain, c'est beau. C'est magnifique. Oh, ça y est, j'ai trouvé mon potentiel enfin. Mon potentiel vient de se réveiller. Par contre, ça pue. Les fermes dans ce monde? Est-ce que dans ce monde j'ai des fermes? Ça pue, je suis attaqué. T'as besoin d'aide? Recule. Derrière ton fort. Alexandre, ouvre la bouffe! Mais non, je suis attaqué. Ah ouais, d'accord, ils ont mon counter en fait. Ouvre ma bouffe, Alex. C'est avec tes maisons. Comme ça, c'est comme une maison. Ouais, tu peux améliorer tes maisons et les transformer en fermes. Hein? Oui. Tu sais que maintenant, toi? Bah là, je suis un petit peu occupé, je me fais raser, donc... Ah, une non, Alexandre, je vais pas raser, fous-toi pas de ma gueule, t'as juste pas de trou de pied, toi. Est-ce que t'as vu que ça venait de là, aussi? Où ça? En bas, et c'est des gros molotov, c'est de l'entrée dans les bâtiments. Tu as besoin d'aide? Oui. Ben, moi aussi. Disons que je me fais légèrement raser, donc voilà quoi. C'est pas fixe, vous inquiétez pas, c'est un détail. Je suis mésonnête, attendez. Tam Tam. Et toi en mode. Il me faut de l'XP. Putain, je vais même pas à tuer ces 10 mecs Molotov, quoi, sans déconner. Mais il lâche 4! Ah oui. J'ai 12 000 de score! J'en ai 9 000, c'est beaucoup plus que l'habitude. Mais j'arrive même pas à battre un seul de ces. Ouais, mais il lâche.
Il y a H4, mais il a 13 000 scores, frère. Il est nul. Comment je passe H4, moi? Enfin, je crois déjà. Bah, il faut les ressources avec ton exploit. Pas un problème, les ressources. Putain, je me fais full raser. Qui est rasé? Tout le monde. Pareil, j'arrive. J'essaye. J'amène des troupes d'indigènes. Donc pas l'air très efficace quand même les troupes d'indigènes. Je trouve que ça se passe bien. Bon, tout va bien. Le meilleur des mondes. Ça se Ah, passe ça très bien. va. Tant que ça va, ça va. Bon, ben moi j'ai été Moi, j'ai plus de rasé. troupes. Voilà. J'arrive même pas à me refaire un villageois. Super. Moi, au prochain assaut, je suis mort, hein, je tiens à le préciser. Non, vie. Voilà, c'est très compliqué, hein. Vie. Oh bah c'est bon, allez, ciao les gars, volons! Allez, bonne nuit les petits! Je n'ai plus rien en fait. Je. Facile Voilà. ce jeu. De quoi? De quoi? Il est. Non, je. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ce que je peux faire, c'est essayer de blinder Emric, mais c'est tout. Je peux Non, essayer mais de. laissez pas, je. Je peux essayer, mais. Je ne te promets rien, Emric. Où? C'est qui tout ça? Oh, c'est quoi tout ça? Ouais, Je. on va attendre, on va laisser le son sacrifice. Non, mais je comprends. J'ai 9 de pop, là. Je suis très mal. C'est comme on appelle ça, c'est un sentiment d'insécurité. Les 15 sentiments, c'est ça. T'as tout à C'est. fait raison, Alexandre, c'est les 15 sentiments. Tant que c'est qu'un sentiment, moi, ça me va. Faut pas jouer le jeu de l'extrême droite. Tout à fait, Alexandre. Je suis d'accord avec toi. Enfin, ils sont autant égyptiens que moi. Bon, les dégâts de toutes les unités, parfait, j'avais besoin de ça. Alors, t'es où, toi? On va essayer de te défendre, Alexandre. Non mais t'inquiète, je migre, hein, ne t'en fais pas. Je suis africain, je connais la migration. Qu'est-ce qu'il y a, Elle est Emric? mangeuse de celle-ci. Bon, par contre, Emric, bah courage en fait, hein. Je te souhaite. Moi, j'ai l'impression de. Non, pas courage, c'est la mort. Je te souhaite de survivre, Emric. Courage, persévérance. Enfin, tu connais le dicton, Emric, hein. C'est bon, Alex, regarde, j'ai défense. Non, mais t'inquiète, regarde, je suis là. Je récolte mes meilleures cerises. C'est bon, ouh. Là, je suis bien. Pirate Forever, ils ont dit. Allez, il faut que je fasse un soigneur, moi, maintenant. J'ai 8 de pop, pour être honnête. Ma civilisation, au niveau démographique, se résume à ça. Donc, non, là, je vais très très bien. Je m'enjaille. Ça se voit peut-être pas, mais. Je m'enjaille. Je suis extrêmement enjaillé. Enjaille-toi. Enjaille-toi, Alexandre, enjaille-toi. Je suis extrêmement enjaillé.
Quand je vois leur score par rapport aux nôtres, ça me désole, mais tout va bien. Alexandre, c'est pas grave ça. Avec un sentiment d'insécurité toujours. J'essaye de prod quelques soldats, mais je sais qu'ils me serviront à rien. Ils mourront très vite. Et non, Alexandre. Va très bien se passer. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, t'as attaqué, Allez, mec. tam-tam! Allez, tam-tam! Tam-tam-tamé! 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 Ne vous en faites pas. Je suis là. C'est bon, regarde! Mais est-ce que tu Je l'es lui pète le cul! vraiment? Je lui pète le cul! C'est ça, Alexandre, qu'il faut faire! C'est ça! Ne vous en faites pas, je suis Pirate. là. Putain, il y a quand même. Hein. Ah ben... Que tu penses? Ah, je le pense bien. Hein. Tout cas... Ça fait un petit moment qu'on m'a plus attaqué, je suis heureux. C'était chez moi. Et c'est parti dans d'autres frontières, d'autres contrées. Ça y est, ma démographie remonte, on est passé de 8 de population à 22. Je suis heureux. Très bien. Il est heureux, il a dit. Les Égyptiens, ils pondent des enfants à l'appel. Je suis heureux. Peut-être que la ligne égyptienne pourra se défendre contre cet assaut. Et assaut. Puis tu te fais assaut, tu me le dis direct, hein. Ah oui. Ok, Attends. un cow-boy, ça va. Voilà. J'ai réussi à tenir. La Ligue égyptienne des droits de l'homme est fière. Alors, c'est les Égyptiens, donc c'est pas le droit de l'homme, mais... Ah, qu'ils connaissent pas trop. Espèce d'islamophobe. Totalement. Ça me dégoûte. Comment ça? Oh mon Dieu, je me fais attaquer! Et il y a des canons! T'inquiète, j'en ai aussi. Allez-y, parce que les Égyptiens, ils pourront pas se défendre longtemps. Hein. On a perdu notre caserne! Non! Les soldats! Non, les soldats égyptiens se font marave! Défendez le champ! Je viens ou pas? Peut-être oui. Au secours, en plus, il y a des rampes multicanons. Je m'occupe des canons, tu t'essaies de s'occuper des autres. Ouais, j'ai juste l'envahisseur chez moi, c'est bon. Les canons d'envahisseur. Je me déplace. C'est bon, c'est terminé, c'est terminé. Ok.
Les forces égyptiennes vont recruter à Personne l'appel. prend ses tam-tams là? Si, moi je veux bien. Vite, hein. Vite parce que j'ai fortes envies de le conquérir d'un coup. T'es sûr que tu joues pas anglais, toi? Tout de suite. Peut-être. Bah techniquement les pirates ils pouvaient être anglais. Hein. Ah oui, c'est pas le Mais problème. il peut aussi être égyptien, hein. C'est vrai, mais là on est trop mal là pour. Déjà que j'ai que 15 villageois à tout casser. Je prod des soldats au compte-gouttes. J'ai eu une pluie de villageois là. Oh, ça fait du bien. J'en ai 15. Allez, ça suffit d'être mésolède. T'as de la chance d'être maisonnède. Moi, je suis loin d'être maisonnède. J'ai que 35 de pop. Regardez ces richoux là qui sont H4, H3. Qui ces personnes là qui se moquaient de moi avant. C'est quoi ça? Ça donne de l'or? 5 pièces d'or la seconde? What the fuck? Oh mais j'ai accès au canon? Au chat, au fort, pardon? Ouais, mais c'est qu'un seul fort. Hein. Où Alexandre est là? On va le mettre ici alors. Je vais me prendre ses joues mon cul. Ah, j'entends des canons. Une illusion Alexandre, c'est pas vrai. Ouais, mais ça donne plus d'or, ça. Ouais, ça donne à fond plus d'or, même. Les 5 d'or à la seconde, c'est pas ouf. Putain, je vais être keblo de pop, oh. Me demandez pas combien de pop j'ai, hein, c'est honteux. J'ai 47 de pop. Les Égyptiens, ils ont pondu entre-temps. Il me manque là ici, il me manque du bois. Bah dis donc. Il voulait dire qu'il voulait qu'il se mette en normal ou difficile, c'est bien. Ouais. Et juste de pas se faire push en premier. Alexandre. Je ne répondrai pas à cette attaque. Allez, c'est parti en prod! Full piaf! Parce que ça coûte que de l'or. Et ça, c'est bien quand ça coûte que de l'or. Oui, c'est vrai que dans ce monde, on a une forge aussi. J'ai toujours pas faite. Pourtant, je vais jouer. Et augmenter ma puissance. Bon, par contre, ça fait peur leur score hein, quand même. Hein. Reste tranquille. Allez.
Oh, et c'est mon rat de pleurer le chien. Prend des piastres, ça prend des piastres, c'est bon ça. C'est ton chien qui hurle à la mort Un comme ça? chien, oui. T'inquiète pas, il va bien. Eh bien, meurs! Ah, Chien! j'aime bien, bien, mais ça veut pas, hein. Et oui. Allez, tais-toi un peu. Ah, le peuple égyptien commence à revenir, je suis heureux. Et tes parents, chef. Ah, après une période sombre. Mais oui, je t'ai bougé. Oh, qu'est-ce qu'il porte ce chien? Après une époque sombre. Le peuple égyptien a besoin de quelque chose. En vrai, si t'as de la gold, Tranquillité, paix. je suis preneur. Ah non, Marigold est tout dans les troupes pour l'instant. Ah merde, parce que j'ai que 25 de gold là actuellement. Je refais à peine mon écho là. L'instant, je suis en production de d'XP. L'XP. Bon, Alexandre, le peuple égyptien n'a donc pas pris les rails là à côté? Ben, On laisse-le commerce pas le venir peuple égyptien? pour le moment, laisse-le revenir un peu. Le pauvre. Le peuple égyptien n'est donc pas là à commercer? Tu sais, il revient d'une époque sombre, hein, le peuple égyptien. Hein. Le peuple égyptien arrive pour le grand remplacement. Ah non, faut pas grand remplacer le peuple égyptien, hein, le pauvre. Il a déjà souffert. On fait les choses bien ici, t'inquiète pas. Pour rappel, le peuple égyptien, à un moment donné, il était à 8 de pop, hein. Il restait que 8 égyptiens sur la map, hein. Tam tam tous ensemble. Tam tam tous ensemble. Tous ensemble au tam tam. C'est vrai que je crois infernal avec ça. Celui-là, peuple égyptien. Il faut aider le peuple égyptien. Le peuple égyptien avance. Alexandre, Oui. passage 3 quand même. Ouais, mais pour ça, il me faut de la gold. C'est quoi ça comme lui? Et j'ai pas assez. Pour le moment. Ennemi. Ah, c'est ennemi ça? Il construit avec quoi? Ils ont pas de troupes. Il n'y a pas de troupes, chef.
sais pas quoi il attaquait. Ok, sur ça on est bon, on va reprendre la prod. Et comme ça, on va explorer ce scoring. Mais oui, petit chien. C'était bien scoré. Il faut être envie de crever tous les jours. Ça. Le peuple égyptien est prêt à faire une expédition. Ah ouais, mais là, je fais mon expédition tout le long de la route commerciale. Hein. C'est... Bon, déjà, on va casser ça juste pour casser les couilles, voilà. Bon, il me reste quoi, là? Ok, et il me reste. Et je peux mettre... Je pense que je pourrais bientôt passer l'âge. Et je fais mal, hein. Et je vais prendre... Bon, je vais augmenter mon attaque. Eh, mais je peux lui péter sa tour, regarde. Eh, je mets giga mal. Et j'encule. J'ai que 20 troupes. Ouais, bon, par contre, il a des canons Gatling. Hein, et ça, c'est fort. Hein. Ah, les couilles. Attaquez. Pétez-lui le cul. Et on va prendre les Grecs pour passer l'âge. Regarde comment je suis chez lui. Regarde comment je le mets bien. Regarde comment je le pète le cul. Bon, c'est fou. Il faut peut-être pas trop déconner non plus, mais... Et quand même, je le mets mal. Il est quand même mis mal, le bousin. Qui montre, il manque une carte infinie quand même à la fin. Je crois que je suis jamais autant resté à H2. Attention, portugais aux portes des Égyptiens. En aide ? J'arrive, ne t'en fais pas. Le peuple égyptien. Arrête, reste à genoux, toi. Le peuple égyptien noble. Il a niqué mon comptoir. C'est un singe. Ah, putain, il peut rien construire, le singe. Bah, quand même, c'est un singe. Pas mal, non, hein, c'est français. Projet en push, hein, comme ça. Hein. Moi j'ai pushé, hein. Oh, je push, on me bat les couilles.
Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Si je mets toutes mes technologies pour faire faire en sorte que mes unités sont fabriquées plus vite, ça devient instant. Oui, et à un moment donné, oui. Ça devient instant, t'as pas le décompte, t'as rien. Quoi, en fait Marocain. Marocain, oh, ils ont ça aussi, Maroc. Bah oui. Intéressant. C'est-à-dire que l'IA a été refaite, Alexandre? Normalement. Mais après, on joue avec un mode. Hein. Donc, Tu sais, ils sont tous les 4, enfin tous les 3 à jeu 5. Voilà, putain, j'ai un stock, là, je suis arrivé chez lui et... Oh, tout ce qu'il y a ouais, on va peut-être ruiner sur le... C'est violent, hein. Mais ça m'étonne même pas. Jusqu'au jour, on va se prendre ça dans la gueule. Ouh, pas bien. Qu'est-ce qui pourrait mal arriver? C'est le chien. Oui, vous êtes allé. Dégage-le. C'est le moment de prod. La prod, c'est la vie. On va prendre. De what the fuck. Ce chien. Oula. Oula. Attaque. Oula, oui. Tout va bien, les gars. J'ai des mouettes. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. L'unité la plus puissante du jeu, la mouette. Ne vous inquiétez pas, les mouettes sont là.
peut-être besoin d'un peu d'aide. Les canons, ça fait mal. Ça va. Il Oh, te bah, reste ça plus va. qu'il y a plus que les canons. C'est bon. Les boîtes ont fait leur taf. J'ai cru, mais j'ai cru. Tout va bien. J'ai toujours cru en mes boîtes. Toutes les secondes. Augmente la vitesse des navires de 78%. What the fuck? Ça va être giga rapide. Marrant ça. Après, c'est une cive pirate, du coup, forcément, ils allaient avoir des bonus pétés au niveau. Ah, il faut aller mouette quoi. Les mouettes. J'ai rien d'autre à faire que des mouettes. No joke. Mouettes forever. Vraiment mal les mouettes en plus. Hein. Attaque à distance, je suis à 41. Ça aussi, ça fait mal en fait. Autre chose qui font mal ici. Alex, quand tu veux. Ouais, quand tu veux. Bah attends, je suis bientôt à 200 de pop. Là, je fais mes tech H4. Ah, moi, je suis prêt à dégainer, hein. Chaque mosté. Ah, ça peut être pas Moi, mal, ça. ça part très vite, hein. Attends, cela du coup, je crée des trous pour arriver à 200 de pop et. Et let's go. Ouais, on va garder mon influence. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien, c'est faire ma tech de l'église. Tu veux que je t'envoie une mosquée? Non, là, c'est surtout que ce qu'il me faudrait, c'est ma propre influence. Et mon influence, elle se fait avec les monuments. Ça n'est pas, t'as pas ton influence. Comment ça, il a pas son influence? Et ben mon influence ça se prend avec ça. Avec les monuments. Ah, Comment ça, un Égyptien a son influence? bien sûr, ben les Égyptiens c'est comme C'est les une influence. c'est une cif africaine en gros. C'est Tam Tam. Allez, 340, allez, il me faut juste 350. Allez. Oui, je fais ma tech.
C'est bon, j'ai du bois, cette merde. C'est bon, j'ai bien 200 de pop. On m'a jamais dit que ça donnait du bois, les houles des tavernes. On aurait pu m'aider. Ouais, au bout d'un moment, on oublie ce que, qu'est-ce que de sol, quoi. Ouais, parce que tu sais, c'est vraiment que j'ai pas joué pirate, donc. Pirate, tu fais un truc, toi, tu as un autre truc. Je cherche pas. C'est une nocif pété. Voilà. Il n'y a que ça à savoir. Ça donne du bois. Attaquer ? Ouais. Ouais, quand tu veux. Bah, c'est bon, moi j'y vais. Allez, go. Alexandre, j'ai que de la. Bah, moi pareil, j'ai que de l'infanterie, donc. Oui, justement, moi j'ai que des bombardiers. Ah bah c'est parfait alors. J'ai que des grenades, moi. Comme ça, au moins, on se. J'ai que des mouettes. Les mouettes, c'est bien. On attaque le cowboy, celui qui fait le plus peur. Ouais, ouais. Bon, oh, bah, j'attaque le premier que je vois sur mon chemin. Ah bah tiens. Ah, le canyon Stronghold. Le fameux fort. Son fort est tombé. Pour l'Égypte. Pas où je voulais faire à la base, mais c'est pas grave. Pour le peuple égyptien. Bon, finalement, j'aurais pas attaqué parce que celui que j'ai enfoncé sur mon chemin m'a pété le cul. Il y a des choses qui arrivent, malheureusement. Ah, et du coup, j'ai amélioré mes mousquetaires pour qu'ils aient des dégâts de. De siège assez fumé. Mais attends, mais c'est qu'on a ken l'autre là. Sûr. Ben le cowboy là, le pauvre. On va améliorer le rendement de la bouffe.
leur pète le cul. Toujours pas de cul. Pas d'où il sort ses troupes, lui, mais il les sort. Hein. À l'usine. Fiché, j'ai un poil avec ces canons de merde aux Français. Fucking portugais. Ouais, ça, c'est pas le français là pour le coup. Le réflexe, je vois quelqu'un de lui, il est français. Ah bah voilà, ils sont là tous ces villageois. Ils seront pas là. Allez, ça va là. Ah, il y a un centre ici. Et ah, easy Alex, easy. Je reviens de loin, moi. Easy. Ouais. Je reviens de loin. Il ressemble à quoi, alors, la courbe d'Alex? J'ai envie de la voir. Et qui, toi, t'es jaune? Ouais. Putain, il est magnifique. Je... Tu sens quand même le failli éliminer, là, par là? Ouais. Et après, j'ai pas mal remonté quand même. Ouais, j'ai fait une petite remontada. Et d'ailleurs, à la fin,
J'étais même plus haut que vous. Allez, j'ai fait une petite remontada quand même. J'étais fier. À la fin, quand même, heureusement. Ouais. Je suis fier. Au bout de 40 minutes de jeu, j'espère bien quand même que t'es remonté. Le peuple égyptien. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, j'avais 7 de pop, hein. C'est bizarre quand même, c'est moi qui ai le plus de score. Comment ça se fait que c'est toi qui as eu. Ben là, je vois au niveau chronologique, au niveau nombre d'unités. Je t'ai fait une remontada. Je suis passé de 7 à, en fin de game à 210. Oh, villageois, il a fait de bottes. Ça ne m'étonne pas. Rigoler quoi. Et c'est vrai qu'on peut voir en nombre de villageois, je crois. Nombre de villageois. Putain, 99 villageois. Au secours. Ouais, je sais pas comment. Après, c'est vrai que moi, j'en fais pas beaucoup en général, mais quand même, 100, c'est beaucoup. Ben, surtout sur Edge 3, où ben après ça te bloque ta pop, quoi. Enfin, ça te Ouais. bloque ta pop militaire. Moi, je sais que je suis un pirate et que. Voilà, mais quand même. Non, mais je pense que les bots, ils aiment bien arriver à 100, puis après, puis après ils font plus rien, quoi. Puis après, ils font que de l'unité militaire, et voilà. Bâtiment, toute la nourriture. Et attends, on peut faire quoi? Total chargement. Total pièce, comptoir, population d'unité militaire. Population de l'unité militaire, tiens, ça donne quoi? On va enlever les courbes des autres, moi. Ah oui, d'accord. À un moment donné, je suis passé de 138 unités militaires à 47. 47. Ah, tu vois, ma courbe, à un moment donné, elle se brise. Ah ouais, par contre, tu vois qu'à un moment donné, j'avais zéro de pop militaire, quoi. Oui, Pendant t'es de 5 terre à feu. minutes, j'avais zéro de pop militaire. En bas, tu étais rasé. Et puis après, à un moment donné, et puis après, à un moment donné, j'avais 12. Et pouf! T'es à Je Yep. suis retombé à 3. À poil. C'est chaud. Et je pense que les bots, au niveau population militaire, je pense que les bots. Je crois que les bots. Ouais, c'est ça, hein, ouais. Mais en vrai, ils font pas tant que ça d'unité militaire. En fait, j'ai l'impression qu'ils varient. Un coup, ils font plus de villageois et moins de militaires, et un coup, ils font plus de militaires que de villageois. C'est marrant. Et le pire, c'est que c'est plus ou moins la même courbe pour les bots, en fait. Tu sens que ils ont programmé un bot, et puis c'est tout, quoi. Ouais, par contre, le portugais, putain, il a une de ses coupeaux. De 115, il passe à 13, à 12. Ah, c'est chaud, hein. Par contre, en vrai, le cowboy, il a pas fait tant que ça au niveau pop, hein, au niveau pop militaire, hein. Son gros max était à 58. En vrai, c'est pas ouf, hein. Du coup, ça s'est eu. Oh bah, je comprenais pas trop ce qu'il faisait. Ben, le problème avec le cowboy, c'est qu'il faisait des. Il faisait... Il est... En fait, le cowboy, je pense qu'il est vite passé à H4, il a fait des molotovs. Et d'un côté, il avait pas tort, parce que les molotovs, c'est de l'anti-infanterie et de l'anti-bâtiment. Donc. Et du coup, c'est ça, il produisait de façon peu, mais des grosses unités, quoi. Et je pense que ça se voit au niveau du. Ah non, il a prod surtout des cavaliers Cheyenne. Mais il a fait beaucoup de trucs Molotov. C'est affligeant. Ouais, ben voilà. Les stats d'équipe, tiens, ça donne quoi? Ouais, forcément, ils nous ont dominés pendant tout le début de partie.
Ouais, mais ça va. Jusqu'à à peu près 40 minutes. Et après, on a... Franchement, ça allait, quoi. Moi, au début, j'étais bien. Ah bah, tu pouvais être bien, ouais. J'étais à l'aise sur mon 31. Ah bah, c'est sûr, hein.